Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très ravis de vous accueillir ici pour la journée mondiale contre le cancer qui a lieu chaque année le 4 février. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour écouter des intervenants talentueux qui parleront de leur propre expérience professionnelle en matière de lutte contre le cancer et aussi pour interagir avec eux. Et donc on voit là qu'en fait il y a des phénomènes de hasard, à chaque fois on lance les dés, on regarde ce qui se passe, et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Et ensuite certaines cellules, pas toutes, vont accumuler de très nombreuses mutations, et elles vont avoir à ce moment-là la capacité de se comporter de manière anarchique, de pousser les cellules qui sont à côté, d'envahir les tissus, de partir dans la circulation lymphatique ou sanguine, puis d'aller dans d'autres régions, et c'est ça qu'on appelle des métastases. Voilà, alors on a des chiffres, et certains seront certainement repris plus tard, qui montrent de manière générale que le cancer, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Alors c'est des chiffres qui sont impressionnants. C'est un homme sur deux au cours de sa vie qui sera touché par un cancer, une femme sur trois, avec une courbe quand même d'incidence, enfin d'apparition du cancer qui est quand même... qui va monter plutôt autour de 50 ans. C'est les hormones et des ovaires et fait par l'hypophyse principalement qui contrôlent le développement du sein et qui peuvent aussi contribuer au développement d'un cancer du sein. Et en fait... En réalisant que voilà, il y a des questions importantes, nous sommes tous exposés à des hormones exogènes, ou dans le cadre de la contraception hormonale et la substitution hormonale. Donc, il y a du terrain pour mieux creuser comment on peut mieux anticiper et prévenir cette maladie. Et en effet, c'est au moment où je me suis rendu compte que le cancer du sein commence, non pas en fait avec la puberté, mais déjà tout dans l'utérus, où nous sommes maintenant exposés à des substances chimiques qui sont persistantes dans l'environnement, qui peuvent donc un petit peu changer le développement du sein naissant. Le tabac est le principal facteur de maladies et décès évitables. C'est le premier problème de santé publique en Suisse, et pas seulement en Suisse. Le tabac tue la moitié des personnes qui le consomment. On a 8 millions de morts chaque année dans le monde. Le 25% des décès liés au cancer sont attribuables au tabac. On a 1,3 milliard de personnes qui fument sur cette planète. En passant les politiques de contrôle du tabagisme, on est le dernier pays en Europe qui n'a pas de limite de vente des cigarettes aux mineurs. Il n'y a pas de limite de vente de cigarettes aux mineurs en Suisse. Il y a des limites cantonales, bien sûr, mais il y a encore deux cantons où il n'y a pas de limite. Moi, je pense que ce qu'il faut garder dans la tête, dépistage, c'est vraiment pour des personnes sans symptômes. Si vous avez des symptômes d'un cancer, vous pensez que vous n'allez pas bien, vous avez une anamnèse familiale, vous voulez regarder ce que ça vaudrait la peine pour vous, c'est une discussion individuelle, toujours, cas par cas. Et j'aimerais aussi dire ce qui était déjà dit par la prévention. Donc, ce n'est pas tout noir. Hein. 50% des cancers peuvent être évités si vous avez une façon de vivre en évitant tout ce qu'on peut éviter. Fumer, alcool, c'est dans vos mains. Il n'y a personne qui vous oblige. Donc, vous pouvez faire quelque chose activement pour votre risque de cancer. Le concept est un contrôle dermatologique unique de dépistage pour tous ceux qui travaillent exposés régulièrement au soleil, pour détecter plus tôt ces cancers de la peau, déjà durant en fait l'activité professionnelle, pour pouvoir les traiter de manière précoce, et aussi pour sensibiliser les personnes qui travaillent
dans cette entreprise les autres, aussi les plus jeunes, pour dire oui, alors ça vaut la peine de commencer à se protéger contre les IV, de peut-être changer aussi quelque chose au niveau de l'organisation du travail, aussi peut-être des mesures techniques ou de protection. C'est pas que la personne qui doit mettre sa crème et sa casquette, mais aussi l'employeur qui peut contribuer, qui doit contribuer à réduire ce nombre de cas. Voilà pour le petit visuel de ce programme. Mais si on parle exactement de quoi il s'agit le programme, plus précisément de cours de danse adaptés pour les patients atteints de cancer et leurs proches, des cours de musique et d'expression corporelle, des ateliers de danse et surtout de cette création d'un spectacle qui est vraiment inclusif, encore avec des personnes atteintes qui vont présenter leur travail sur scène, et des danseurs professionnels qui viennent, des danseurs solistes professionnels nationaux et internationaux qui viennent danser pour la cause, bénévolement. On ajoute aussi une exposition d'art, aussi inclusive, sur des pièces qui étaient créées par des patients atteints de cancer. La performance, bien sûr, publique de cet événement et une campagne de promotion autour de la danse comme soin de support et outil d'intégration pour les patients et leurs proches à travers des réseaux sociaux, bien sûr, des discussions audiovisuelles entre des médecins, des artistes et des patients atteints de cancer, et bien sûr un plan de communication avec des sorties culturelles. Bien sûr, on n'est pas isolé à la Ligue vaudoise contre le cancer, on travaille en partenariat avec beaucoup d'institutions, et pour ces programmes-là, Dansons la vie, on travaille avec, on essaye de créer un réseau de prestataires et partenaires culturels qui vont faciliter l'accès à la participation culturelle des personnes atteintes de cancer. Il y a beaucoup de problèmes au niveau politique. On a eu un projet de loi sur la prévention qui n'a pas passé au Parlement. Il a été rejeté par le Parlement. Donc on n'a pas une loi sur la prévention, on n'a pas un cadre légal pour faire de la prévention. Ça veut dire que les interactions sont clés pour penser aussi au futur et ce qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Ça, c'est un peu le but de tout ce qu'on essaie de faire. Et donc, le focus de ce grand projet de recherche est sur le cancer de la peau, dont vous allez sentir beaucoup aujourd'hui, et le cancer du sein. Et on s'intéresse surtout à deux facteurs. C'est d'abord les hormones et aussi l'inflammation. Ok, encore un grand merci à nos partenaires, les conférenciers, toutes les personnes qui ont parlé ici et aussi à vous pour être présents ici aujourd'hui avec nous. Et si vous voulez rester au courant, vous pouvez toujours visiter notre site web qui est en fait encore en train de s'améliorer petit à petit. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram.